Désormais présent tous les samedis dans TPMP People, Benoît Dubois était ce mardi sur le plateau de Jordan de Luxe pour revenir notamment sur sa relation tumultueuse avec Thomas Vitiello, alias Josiane dans Secret Story. Depuis sa victoire dans la quatrième saison de Secret Story, Benoît Dubois a fait du chemin. Passé dans Carré 7 Hip, l'éphémère émission d'enfermement de TF1, puis sur Énergie 12, il a ensuite fait du théâtre avant de revenir à la télévision sur C8. S'il continue ses activités annexes, l'ancien candidat de télé-réalité est désormais de manière hebdomadaire sur la chaîne du groupe Canal+ dans TPMP People, diffusée le samedi. Pour Jordan de Luxe, il a néanmoins souhaité revenir sur sa relation désormais conflictuelle avec Thomas Vitiello, avec qui il formait le duo Brigitte et Josiane. Je l'ai perdu de vue depuis un moment, Benoît Dubois réagit aux critiques de Thomas Vitiello car depuis quelques années, les deux anciens de Secret Story ne se parlent plus. En cause, les griefs de Thomas contre Mathieu Delormeau, et le fait que Benoît a préféré se rapprocher de l'animateur de C8, ils sont désormais meilleurs amis. Chez Sam Zira, celui qui s'est exilé à Londres afin de retrouver une sérénité de l'esprit, avait accusé l'ancien animateur de Energy 12 d'avoir dit des choses sur moi qui étaient vraiment pas sympas du tout à l'époque du mag, notamment des propos sur son poids ou qu'il était très féminin avec de gros problèmes. Une hache de guerre loin d'être enterrée quelques mois plus tard pour Benoît, sur la fin, on voulait prendre des chemins artistiques complètement différents. C'est-il qui a décidé de partir à Londres pendant des années. Il confie que l'entretien que Thomas a accordé ne lui a pas fait pour autant de la peine, je l'ai perdu de vue depuis un moment, mais j'ai pas compris finalement, révélant avoir aussi des dossiers sans avoir envie de les sortir. Quel est son intérêt? Quest ce qu'elle a à y gagner? Elle peut me le dire? Merde, s'exclame-t-il, visiblement encore touché par les accusations de son ancien compère. Benoît Dubois désormais chroniqueur permanent dans TPMP People aujourd'hui loin de cette polémique, Benoît Dubois s'est donc recentré sur son métier de chroniqueur dans TPMP People, ce qui n'était pas forcément une évidence au début où il devait partager la vedette avec Hugo Manos, le compagnon de l'animateur Laurent Ruquier, il s'avère que j'ai été bon dans les premières émissions, du coup ils se sont dit qu'on allait un peu plus mettre Benoît comme Hugo a déjà fait une saison. Il révèle ainsi qu'Hugo Manos n'aurait pas trop apprécié de voir Benoît Dubois prendre plus de place que lui, il a dit moi, si estime-moi vous me prenez plus ou soit vous me prenez pas du tout, mais je pense que j'aurais certainement fait pareil. Enfin je ne sais pas. À lire aussi il avait des propos très limites, Thomas Vitiello, Josiane dans Secret Story, critique le comportement de Mathieu Delormeau à son égard chez Jordan, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.